Pourquoi cet atelier? Pour plusieurs raisons. Première chose, la question de la peau elle est fondamentale pour tout directeur de la photographie. C'est un enjeu très très important. La peau, c'est la première chose qu'on voit. La peau a fait l'objet de beaucoup d'études, tant scientifiques qu'artistiques. Mais il est vrai aussi, deuxième constat, que les études portent bien souvent sur les peaux dites blanches. Donc l'idée importante pédagogique de cet atelier, c'est de permettre aux étudiants d'expérimenter les différentes couleurs de la peau et aussi tenter de montrer qu'il y a plusieurs facettes et nuances de couleurs et qu'il n'y a pas la couleur blanche et noire. Donc l'atelier est structuré sous 7 jours et l'idée de base c'est faire des passerelles entre des cours d'histoire esthétique du cinéma, des cours plus scientifiques et la partie pratique. Donc on a commencé par une conférence d'ouverture avec Diarra Sourang qui a donné les bases vraiment de cette thématique et d'autant qu'elle a fait un mémoire de fin d'études, donc en master 2, intitulé « Filmer les peaux foncées ». Aujourd'hui, c'est un ouvrage. Et donc, elle a présenté vraiment les éléments à la fois éthiques, voire même, je dirais, sociaux, parce que cette question se pose également, mais aussi les enjeux techniques. Et donc, c'était la conférence d'ouverture. Suite à cette conférence, on a structuré les journées avec des cours, par exemple, sur la question de l'optique. Quelle optique choisir pour quelle peau? Des questions de sensitométrie. La question aussi, comment la post-production aussi peut intervenir pour les rendus de la peau. Et fin de la journée, une conférence, pareil, sur quelque chose de plus général. Et on a fait les 3 jours dans cette idée-là, de donner toutes les notions théoriques, esthétiques, et historique avant d'aborder la partie pratique. Donc à partir du 4e-5e jour, c'est l'expérimentation sur les plateaux. À partir du choix d'un photogramme, on a donné une palette aux étudiants, une quinzaine d'images. Ils ont choisi une image et à partir de cette image, ils recréent la même situation en studio. Ensuite, il vient les samedis à la post-production. Et là, voir aussi quels sont les outils pour retrouver les rendus tant espérés de la peau. Et enfin, lundi, nous retrouvons les 2 autres écoles avec chacun sa propre expérimentation et donc analyse, échange. Nous avons voulu faire un échange avec plusieurs écoles sur plusieurs continents avec un système de visioconférence et un système de projection aussi de bonne qualité. L'idée, c'était de pouvoir échanger avec des mots, mais aussi avec des images de bonne qualité. Nous sommes attachés à la qualité de la salle de projection, donc un système où on envoie et où on va envoyer des fichiers de bonne qualité pour que les gens puissent réagir aux fichiers. Donc, la partie projection reste une partie qui est faite dans les murs et la partie échange, c'est une partie qui est faite en visioconférence avec plusieurs écoles. L'idée, c'était de pouvoir faire réagir plusieurs étudiants de plusieurs écoles à plusieurs endroits différents, au même endroit, d'une façon la plus fluide possible. On utilise un petit mélangeur de chez Blackmagic. On fait rentrer la caméra qui est au fond de la salle, on a aussi une tourelle qui est télécommandée avec ça. Et l'idée c'est de pouvoir à la fois gérer les flux qui arrivent des autres pays, c'est-à-dire si eux ils nous posent une question, etc., on peut les afficher sur la télé. Et en même temps nous de pouvoir leur envoyer soit les caméras qu'il y a dans la salle, c'est-à-dire pour filmer les intervenants, soit les flux des intervenants, c'est-à-dire si par exemple ils veulent montrer un film, etc., on leur envoie. Par ce mélangeur et par les ordinateurs qui sont là. Là, donc, on a notre petit écran de contrôle qui me permet de visualiser justement toutes mes sources, c'est-à-dire donc la tourelle qui se commande avec ça, la caméra qui est au fond, et si jamais j'ai un intervenant avec son ordinateur
qui veut diffuser un extrait de film ou quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est évident que ça n'a rien à voir avec si on faisait des échanges de mails ou ce genre de choses. Là, quand au Burkina Faso, ils veulent nous poser une question, ben, on les met sur la télé directement et puis ils nous parlent. Ils réagissent en direct sur ce qu'on se dit dans la salle et nous, on peut réagir en direct sur ce qu'eux, ils disent ou sur ce sur quoi ils échangent là-bas directement. Donc sans ça, c'est sûr qu'on serait obligé de s'appeler tous individuellement ou d'échanger des mails ou des PDF. Et là, c'est sûr que le savoir, il se partage totalement d'une manière totalement différente. Vous voyez, les programmes, c'est, on commence par la première conférence, les cours de physique de la peau et psychoperception, avec une collègue, Lucille Domena, qui est ici enseignante en sciences, et Martin Roux, directeur de la photo. Vous voyez, on a essayé à chaque fois aussi de mettre un enseignant avec, évidemment, une professionnelle, un professionnel. On va continuer l'après-midi, toujours avec des cours en sciences. Et à chaque fois, en fin de journée, sauf pour cette première conférence, il y a une conférence. Donc, il y aura 3 conférences en tout. Celle-ci de Diarra qui va poser les questions des bases qui vont nous servir en fait pour tout l'atelier. Ensuite, celle de cet après-midi, l'enseignante ici à l'école, donc Claire Bras, ça sera plutôt une ouverture aux arts visuels en général. Et après, des focus de plus en plus vers les cinémas qui restent quand même notre domaine, notre objet des passions et aussi des travail, donc avec une conférence où la filmer la peau au cinéma, de manière générale, par Prisca Morisset, qui a co-dirigé un ouvrage sur cette question. Et après, dernier jour, c'est Réjeanne Amuse-Vallée et Caroline Renoir, qui c'est sur la peau et avec la relation avec les effets spéciaux. Qu'est-ce que devient la peau sous l'emprise des effets spéciaux. Donc, je pense que c'est clair, tout le monde l'a eu. Donc, je passe directement la parole à Diarra. Bien, bonjour à tous. Merci, Jouzi, de m'avoir invité et de me permettre de parler à tout le monde de mes recherches faites ici même à l'ENS Louis-Lumière. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, j'ai été diplômée il y a 4 ans avec un mémoire qui s'appelle « Filmer les peaux foncées », qui a eu la chance d'avoir une publication après, qui est sûrement la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Dans la vie, je suis chef électricienne de plateau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les métiers de l'image, j'accompagne le chef opérateur sur toutes les questions de lumière. Que ce soit en termes de gestion d'équipe, de technique, pour tout ce qui est électrique et aussi la gestion de la lumière naturelle. Mais on aura l'occasion d'y revenir plus précisément avec les étudiants qui seront avec moi sur la partie pratique. Alors pour commencer déjà, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là en mémoire de fin d'études ? Parce qu'au moment où je suis diplômée à Louis-Lumière, je me rends compte qu'il y a un petit vide en ce qui concerne les questions de la diversité à l'écran, des différentes peaux. Il y a plein de questions qui, durant ma scolarité, ont été restées un peu sans réponse, où on ne sait pas trop. Et en fait, c'était important pour moi de réfléchir à savoir si la peau foncée, c'était vraiment quelque chose de différent, de compliqué, ou pourquoi il y avait un espèce de flou autour de la question des peaux foncées une fois posée devant une caméra, où tout paraît différent. Enfin, en tout cas, ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire. Et pourquoi ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire ? Donc, au départ, moi, j'avais dans l'idée de faire une recherche purement technique. C'est-à-dire, je ne voulais absolument pas me lancer dans des études, dans un discours qui puisse être social ou qui puisse être engagé. Au départ, ce n'était pas du tout l'idée. Je voulais juste travailler sur les outils qui sont ceux du chef opérateur, c'est-à-dire la lumière et les caméras. Très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment possible d'éluder toute cette question du racisme, cette question des différences de traitement entre les peaux.
Donc autant vous dire qu'à partir de ça, c'est un petit tas des lieux rapide, mais bon, on voit bien qu'il y a un petit souci dans la façon de présenter les gens et la diversité dans le cinéma français. Donc je m'adressais aux écoles qui ne sont pas en France. Et effectivement, mon étude se situe beaucoup sur le cinéma français et du point de vue du cinéma français, mais je pense que ça peut permettre à tout le monde de faire des conclusions. Mais moi, je me suis concentrée sur l'état du cinéma en France. Donc, à la différence des États-Unis, en France, on n'a pas beaucoup de diversité à l'écran. On a peu de diversité à l'écran, c'est une figure d'exception, mais on n'a aussi pas de réflexion sur la manière de filmer cette diversité. Alors qu'aux États-Unis, ça a commencé un petit peu, puisqu'on trouve des équipes qui vont être 100% hispaniques ou 100% noires. Et dans ces cas-là, comme c'est les premiers concernés qui fabriquent le film, il y a une attention qui est portée sur la façon de filmer les choses. Et donc, il y a un rôle important de la société dans la façon qu'on a de considérer les personnages, de les créer et de les filmer. D'où vient cette question de la couleur de peau ? L'origine de la question de la couleur de peau. Alors, on le trouve dès la mythologie et dans l'origine dans les religions monothéistes. On parle de couleur de peau. Dans la Grèce antique, dans les Métamorphoses d'Ovide, c'est le fils d'Hélios, Phaéton, qui conduit le chariot du soleil. Mais il ne le maîtrise pas vraiment. Donc il y a des moments où il est trop près, et là les gens ont la peau cramée, ils sont noirs. Et des moments où il est trop loin, et les gens sont tout pâles, ils sont blancs. Donc le noir, c'est un peu une erreur. Dans le christianisme et le judaïsme, la peau noire, c'est souvent une damnation. C'est une punition qui a été lancée contre quelqu'un et qui doit s'étendre sur toute sa descendance. Donc il y a dans les cultures judéo-chrétiennes, il y a cette notion comme quoi le noir est quand même quelque chose de négatif. En Europe, le mal est présenté par le noir. Le bourreau, c'est l'homme noir. Satan est noir. On parle de ténèbres. Quand on est sale, on est noir. Que cela s'applique à la saleté physique ou à la saleté morale, on serait surpris si l'on prenait la peine de les réunir, du très grand nombre d'expressions qui font du noir le péché. C'est difficile de parler de tout ça sans rentrer un petit peu dans des considérations anatomiques, physiologiques. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui crée les couleurs de la peau, en fait. Juste vous donner quelques clés d'interprétation. Donc ce qui est bien à savoir, enfin je pense, hein, pour comprendre un peu mieux ces spectres, c'est déjà que dans toutes les peaux, quel que soit le type de peau, ce qui crée la pigmentation première, en fait, c'est la mélanine. Et pour le coup, la mélanine est la même pour tout le monde, pour tous les humains. Donc, ce qui va jouer, c'est plutôt une question de densité. Ce que je vous ai mis ici, c'est la structure de l'épiderme. Donc, au niveau de la peau, je ne sais pas si ça vaut le coup de vous refaire un petit topo très rapide. Vous avez trois couches principales. La couche de surface, c'est l'épiderme, qui fait quelques dizaines de micromètres d'épaisseur, hein, pas plus. Donc, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. D'accord ? Trois couches principales. Là, donc, je considère que l'épiderme parce que je m'intéresse à la mélanine et la mélanine se trouve dans l'épiderme, donc la couche de surface de la peau. Alors, cette mélanine, elle prend sa source en fait dans la couche basse de l'épiderme, qu'on appelle la couche basale. Et pour être plus précise, elle prend sa source dans ce qu'on appelle des mélanocytes, donc l'endroit où va être produit la mélanine. Alors, c'est un petit peu résumé parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait dans cet endroit qui est produit la mélanine. Enfin, c'est la grande maison, on va dire. Mais vous avez ensuite plein de petites poches dans les mélanocytes qu'on appelle les mélanosomes. Et c'est dans les mélanosomes que va être produite la mélanine. Et en gros, c'est des petits paquets, des petits sacs qui vont se déplacer dans l'épiderme, qui vont aller plus ou moins haut par des phénomènes de transport dont je vais vous faire la présentation. Donc, ça se passe au niveau... ici, des dendrites, hein, vous avez à la fin des petits filaments qui permettent de faire la liaison avec les kératinocytes. Donc, les kératinocytes, pardon pour les langages biologiques, hein, mais c'est l'endroit où on va produire de la kératine. Pour le coup, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. En gros, l'épiderme est constitué à peu près de 80% de kératine. D'accord ? Donc, c'est ce qui construit la structure de l'épiderme, c'est ce qui construit sa résistance,
son élasticité aussi. Enfin voilà, tout est dans, au niveau de l'épiderme, tout passe dans la kératine. Et cette kératine, il faut voir qu'elle est reproduite. En gros, vous avez tout le temps de la kératine qui est produite au sein de votre épiderme. Donc la kératine est produite dans ces grosses cellules qu'on appelle les kératinocytes. Et ces cellules vont migrer. Donc c'est un phénomène naturel. Hein. En gros, elles sont produites en bas de l'épiderme. Et en 3 semaines, à peu près, elles arrivent à la surface de la peau. Et lors de leur migration, en fait, elles se déforment et elles s'aplatissent de plus en plus. On dit que ces cellules vont se kératiniser parce que du coup, leur concentration en kératine augmente. Et donc, c'est ce qui crée des différences de résistance au fur et à mesure que les kératinocytes montent vers la surface de la peau. Et en migrant, ces kératinocytes vont pouvoir emporter avec eux, donc là, il y a un phénomène de diffusion, les sachets qui contiennent la mélanine. Et c'est à ce niveau-là, en fait, au moment de la diffusion, qu'il va y avoir des différences entre ce qui va donner à la fin des peaux noires, des peaux asiatiques et des peaux caucasiennes. Par exemple, pour les peaux plutôt claires, on va avoir la mélanine qui va commencer à être un petit peu détériorée par la kératine au niveau de la couche épineuse. Alors, la couche épineuse, c'est à peu près là, quoi. Également, ce qu'on appelle le coefficient de Fresnel. Alors ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler, puis je ne le détaille pas plus que ça. Mais ce sont des coefficients qui vous expliquent ce qui va se passer à l'interface entre deux milieux. J'ai retenu juste un truc intéressant pour vous dans ces lois et ces coefficients. Même des surfaces qui sont spéculaires, qui sont lambertiennes, donc qui normalement sont rigoureusement mates, deviennent spéculaires, c'est-à-dire qu'elles se comportent comme un miroir à partir du moment où vous les observez sous incidence rasante. Donc c'est le cas des miroirs d'eau qu'on peut voir. Hein. Quand vous regardez de l'eau verticalement, bah, vous voyez à travers l'eau, il n'y a pas d'effet miroir. Par contre, quand vous mettez en bord d'eau et que vous regardez au niveau de la surface de séparation RO, vous voyez une sorte de miroir, quoi. Donc ça, c'est parce qu'en fait, dès que vous mettez sous incidence rasante, quelle que soit la surface, vous ramenez à un miroir, en fait. Donc c'est ce qu'on observe quand vous avez un rayonnement. Typiquement, là, c'est une image que j'ai tirée du film Atlantique. Donc le rayonnement vert qui se réfléchit sur la peau, c'est ça. C'est vraiment le fait que vous êtes à 90 degrés quasiment de la surface et vous avez cette lumière rasante. Donc là, ce n'est pas de la brillance à proprement parler. Je ne pense pas que ce soit de la brillance. C'est simplement un phénomène de diffusion qui s'explique par les coefficients de Fresnel. D'ailleurs, la brillance, juste un truc quand même, parce que ça m'a travaillé et je voudrais partager ça avec vous. J'ai essayé de faire, à partir des mesures de spectre que j'ai obtenues, j'ai essayé de comparer les différences de brillance entre les différents types de peau, donc noire, blanche. Et j'ai obtenu aucune différence. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais dans une configuration donnée qui ne permettait pas de le faire? Alors, la mesure de brillance, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est normé pour des surfaces type automobile, textile, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des choses qu'on sait faire dans l'industrie de manière générale. Par contre, il n'y a pas de normes de mesure par rapport à la peau. Donc, il n'y a pas de normes. Comment est-ce qu'on mesure la brillance d'une peau? Il n'y a rien qui le définit. Donc, moi, j'ai juste voulu essayer de le faire à partir du spectrophotomètre qu'on avait. Donc, pour info, c'est un appareil qui vous mesure ce qui se passe sous une incidence de 8 degrés. Donc, c'est le schéma que vous avez ici, en fait. Donc, je peux mesurer la réflexion à 8 degrés. Et donc, l'idée, c'était de mesurer cette réflexion à 8 degrés, puis après mesurer le spectre total et de faire la soustraction des deux. Et bien, que ce soit une peau noire ou une peau blanche, je n'ai pas obtenu de réelle différence. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est parce que j'étais qu'à 8 degrés? Est-ce que si j'avais été à 20 degrés, ça aurait été pareil? 40 degrés, est-ce que ça aurait été pareil? Est-ce que c'est dû au fait que je ne tienne pas compte de la texture de la peau? Parce que c'est vrai que du coup, je ne suis pas assez précise. Hein, ce que j'ai, c'est une valeur moyenne. Donc, je ne tiens pas du tout compte de cette texture de peau qui est quand même très particulière. En tout cas, je n'ai pas obtenu de différence. Et puis, j'en suis même venue à me demander si, en fait, la sensation de brillance qu'on avait, elle n'était pas due à la différence de contraste, en fait, tout simplement. Une peau noire, un voile un petit peu huileux sur une peau noire va donner forcément quelque chose de plus contrasté. Du coup, je me demande comment on peut comprendre ça par rapport à l'incidence de l'éclairage. Et je ne comprends pas. Bah, l'éclairage, il va vous permettre de créer une lumière diffusée sur la peau. Et cette lumière diffusée sera d'autant plus renvoyée que vous êtes à 90 degrés. Vous verrez d'autant plus l'effet de la lumière que vous êtes à 90 degrés par rapport à la zone du visage qui vous intéresse, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est dès lors que
que l'éclairage a un angle par rapport à l'angle de prise de vue qui se rapproche de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un projecteur qui est à contre, il n'éclaire pas ce que la caméra voit, mais en décalant légèrement cet angle-là, on se met en fait à raser la surface. En lumière, ça s'appelle un kicker, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir une lumière qui n'est pas tout à fait à contre, mais qui va raser les faces du visage. Et donc, en fait, on va avoir un angle faible entre l'axe de prise de vue et l'axe d'incidence de la lumière. Donc c'était éloquent parce qu'en fait, effectivement, je ne savais pas du tout que ça existait, comment ça s'appelle déjà, le coefficient de Fresnel. Le coefficient de Fresnel, et on l'utilise abondamment pour créer des brillances dans les visages. C'est-à-dire, c'est le fait de faire taper un projecteur presque à contre, mais avec une légère latéralité qui va créer effectivement qui va permettre de générer du contraste ou dans des pénombres sur n'importe quel type de peau. Ça peut être utilisé et c'est particulièrement utile effectivement pour aller rehausser des contrastes dans des situations de pénombre ou sur des peaux sombres, parce qu'on va avoir tout de suite un phénomène qui a rien à voir avec la réflectance effective du support, vu éclairé de face, quoi. Voilà, enfin, il y a tout le côté lien entre la pratique et la théorie. Donc, merci Martin de faire la traduction. Alors, donc moi, je m'appelle Martin Roux. Je suis un ancien élève de Louis Lumière. Je suis sorti en 2012. Je suis directeur de la photographie ou chef opérateur. Je travaille sur du documentaire, du long métrage. Enfin, voilà. Et donc, toutes les questions qu'on aborde ici m'intéressent au titre que quand même, on passe beaucoup de temps à filmer des gens et que du coup, ça reste quand même une des prérogatives importantes des chefs opérateurs que de considérer la question du rendu de la peau. Et du coup, c'est de ça que je vais parler. Je vais basculer du côté du rendu, c'est-à-dire du résultat après filmage. C'est-à-dire que là, on était sur le factuellement... qu'est-ce qui est, comment dire, de quoi, enfin, comment est la peau d'un point de vue objectif. Et du coup, à un moment donné, dans nos métiers, il faut se poser la question de comment on veut la restituer. Déjà, est-ce qu'on la restitue conformément à ce qu'elle est d'un point de vue physique et objectif, ou est-ce que on interprète ses résultats. Et en fait, c'est dans cette interprétation que se niche probablement une bonne partie de notre geste artistique. D'autre part, une bonne partie, sans doute, des questions en fait qu'a pu aborder Diarra ce matin de la réussite ou de la pertinence des représentations par rapport à des modèles donnés. Quand je dis des modèles, je veux dire des sujets. Est-ce que, comment dire, la réponse esthétique qu'on apporte est pertinente? Et puis comment se fixer comme ça des objectifs de restitution, parce qu'en fait, finalement, on a une vision nous, on interprète le réel par le prisme visuel de manière absolument automatique. C'est-à-dire que pour le coup, je pense qu'on sera d'accord de dire qu'on n'a pas appris à voir, mais que, comment dire, notre rapport au monde est fait de cette innée qui est la vision, y compris particulièrement quand même quand on y pense dans notre interaction aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, effectivement, on a sans doute appris à voir quand on était tout petit et qu'on ne s'en souvient pas, mais ensuite, toute notre vie consciente est en fait fait sur un état de fait qui est qu'on est, on est capable de comprendre le monde visuellement, et que ça nous rend du coup particulièrement incapables à critiquer notre attendu en termes de vision, parce que c'est tellement inné que c'est difficile d'essayer de remonter un petit peu ce qu'il faudrait produire au cinéma pour que ce soit bien, pour parler du cinéma particulièrement. Et on suppose qu'en fait, c'est aussi des questions que se pose tout autre type d'art visuel, figuratif. Et donc, en fait, moi, je vais faire une petite introduction à des questions de psychophysique adressées au cinéma. Et qui est donc quelque chose dans lequel moi je me suis plongé pour répondre à des attentes ou des frustrations sur des affaires de rendu de l'image, c'est-à-dire des rendus de caméra et de post-production. Parce qu'on a, je pense, on a tous fait l'expérience de représentations cinématographiques extrêmement satisfaisantes du point de vue visuel, c'est-à-dire on a l'impression
d'une justesse colorée, de quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui satisfait un attendu, y compris sur des choses extrêmement bêtes, hein, sans parler comment dire, de fabrication compliquée avec beaucoup de lumière et tout, juste des plans très simples en lumière naturelle dont on a l'impression que ça répond tout à fait à notre attente visuelle. Et à l'inverse, je pense, en tant que praticien, on a aussi beaucoup fait l'expérience de choses qui n'étaient pas qui répondaient pas à nos attentes. Et donc dans ce delta là il y a une part, comment dire, enfin moi il y avait une part d'inconnu qui me travaillait beaucoup, qui était mais comment on se rapproche d'un rendu qu'on veut, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui moi je voulais parler un peu d'un espèce d'état de ce qui est disponible en fait comme ressources sur les questions de psychophysique et de peau en particulier. Et demain on voulait parler de traitement en fait des images et en fait de l'importance de la manière dont on va gérer l'information qu'on a captée, mais finalement qu'on a captée de manière assez bête du point de vue de la captation. Autant on peut faire des grands gestes créatifs d'un point de vue de la mise en scène, de la lumière, des choses comme ça. Mais en fait, finalement, l'élément capteur, c'est un élément assez objectif et pas très intéressant sur la question du rendu. Mais par contre, la question de comment on gère ces informations-là, elle est tout à fait intéressante. Dans ces prophéties que Léonard de Vinci théorise un petit peu quelque chose autour du sentiment, de la capacité de la peinture à produire ce qu'il appelle du sentiment à partir de la peau. Et il le dit de manière explicite. Hein. En français, ça donne un truc comme ça. Plus tu parles avec les peaux, plus tu acquiers sapiens. Voilà. Et derrière sapiens, il entend en fait l'idée de sentiment aussi. Ça c'est ce lien que je fais moi aussi dans mes cours, vous le savez, entre les différents effets de sens et le sens du mot sens. C'est-à-dire qu'il y a un lien intime entre la sensation au sens épidermique, le sens au sens de cette imprégnation, de cette sensation qui devient un sentiment en travers les émotions, qui s'imprègnent d'une manière viscérale, on va dire même, hein, dans l'organisme, qui touche au sens de l'interprétation. Quand Titien travaille la couleur, quand je dis c'est le plus peintre de tous les peintres, il n'est pas justement dans cette approche, on va dire, sculpturale ou héritée de l'étude des marbres par le dessin, le contour, les beaux dégradés lisses et bien opaques. Il essaye déjà de laisser transparaître ce côté profond et souterrain de la peau qui caractérise les humeurs, les tempéraments qu'on appellera plus tard la psychologie des personnages. Voilà. Ce qui va m'intéresser dans mon propos ici, là, c'est cette question du rendu de l'incarnat, pas seulement au sens des couleurs de chair, mais au sens de ce qui se passe dans l'épaisseur de la peau, à la fois en surface, par l'incidence de la lumière, en profondeur, par la relative transparence des différentes couches de l'épiderme, et aussi, peut-être aussi quelque chose qui se diffuse un peu plus en surface, qui est sous une forme un petit peu plus auratique. Hein, voilà. Donc finalement, la peau, c'est pas juste une pellicule. En fait, c'est un millefeuille. C'est un millefeuille de plein de petits téguments, si vous voulez, à la fois physique, matériel, réel, profond et superficiel. Bonjour. On va donc continuer un peu ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire hier, on a vu des questions de perception de la couleur de la peau. Et maintenant, on va regarder des images et on va se demander comment on peut influer sur le rendu. Et en fait, et si on peut retrouver des choses qu'on a vues
dans les tests psychophysiques qu'on a vus. Donc, on va regarder pas mal d'images. Et puis après, on va parler, une fois qu'on aura parlé un peu de couleurs, on va parler de texture. Oui, donc pour parler de texture, je vous ferai un petit topo sur l'essentiel mathématique, on va dire, qu'il faut connaître. Donc, je vous parlerai de transformé de Fourier, entre autres. On essaiera de juste survoler le paysage mathématique sans trop rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a quand même des bases à avoir pour pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, on dérivera ensuite sur le filtrage spatial d'une image et les effets qu'on peut maîtriser grâce à ce genre de filtre au niveau de la texture et donc en particulier de la peau. Et après, du coup, moi, je vous montrerai des utilisations pratiques et des exemples de films où c'est utilisé. Production d'images qui se base plus sur des questions de beauté du rendu ou de goût, enfin, qui est contestable sans doute à certains aspects, mais en tout cas où il y a un modèle de goût qui est proposé. Là où le numérique, la plupart des caméras numériques et des modèles numériques proposent un rendu perceptif, disons, un peu minimal et un peu neutre. Et c'est des caméras qui fonctionnent plus ou moins comme des colorimètres, c'est-à-dire qui n'ont pas tellement de biais colorimétriques induits. Et donc, en fait, c'est intéressant de regarder, je veux dire, un modèle neutre avec un modèle, disons, orienté esthétiquement, et de se poser la question, non pas de forcément décalquer ce modèle orienté esthétiquement, mais de voir est-ce qu'il ne serait pas possible, du coup, d'envisager d'autres modèles orientés esthétiquement, de rendu, si, par exemple, celui en argentique ne convient pas. Donc, du coup, les premières images que je vais vous montrer, c'est... c'est un filmage très simple en studio, de trois pots avec plein de couleurs qui sont censées représenter un échantillon représentatif des couleurs du monde dans des saturations qui ne vont pas dans des extrêmes absolus, mais qui sont quand même des saturations élevées. Et donc là, vous avez face à vous un rendu numérique normal par une chaîne ICIS. Et le petit cartel que vous avez là, c'est l'ensemble des teintes chair proposées par Pantone et classées dans un ordre qui fait un peu penser à Munsell, c'est-à-dire en fait, on les classe par... elles sont classées, vous voyez, par teinte et par luminance, et ça rappelle un peu le nuancier qu'on avait dans MetaHuman. Enfin, tout ça, c'est un peu l'ensemble des teintes chair. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut voir un peu le dégradé qui va être une forme de beige au magenta avec au milieu des teintes un peu plus vertes. Ici la densité, et donc on va pouvoir regarder du coup le rendu de toutes ces saturations là, donc les peaux comparées à des patchs de couleur rouge et tout dans le premier rendu, donc il y a un rendu numérique, et là on a la même chose dans un rendu argentique, exactement la même situation, éclairé tout à fait pareil. Donc je vais vous laisser regarder un tout petit peu l'image. Et puis je vais vous proposer éventuellement de me dire un peu ce que si vous voyez des choses notables. Donc je reviens à la première. Moi je trouve qu'il y a plus de saturation dans les peaux sur l'argentique, mais à contrario, moins de saturation par exemple sur les canettes et dans les couleurs en argentique, voilà. Ouais. Bah oui, enfin, c'est ce qu'on a dit. En fait, c'est par ailleurs exactement ce qu'on disait hier. C'est-à-dire, on a plus de saturation sur une partie du coup des couleurs pas très saturées, et notamment les peaux. Donc ça se voit vachement quand même dans. Ça se voit vachement sur le Munsell, en fait. Donc sur tout ça, on a l'impression d'avoir des couleurs un tout petit peu plus vives. Et effectivement, on a regardez le patch rouge ici. On n'a pas du tout la même saturation. J'enchaîne de manière un peu plus terre à terre avec un peu de mathématiques, un peu de fondamentaux. L'idée, c'est que vous compreniez les bases du traitement d'image, et ça repose surtout sur un outil mathématique, en fait, qui est assez fondamental. C'est donc la transformée de Fourier. Donc, je vais vous la présenter d'abord de manière assez théorique, mais l'idée est de vous montrer un peu quelques applications, et puis surtout après que Martin reprenne la main pour vous montrer tout ce qu'on peut faire de manière
aidé par des logiciels, je pense. Enfin, voilà, c'est des choses après qui filent assez vite à partir du moment où vous êtes bien équipé avec les bons logiciels. Mais voilà. Donc juste un petit rappel sur ce qu'on appelle déjà les signaux périodiques. Bon, je reste pas très longtemps là-dessus, mais j'essaye de m'adapter un peu à tout le monde. Donc ce qu'on appelle un signal périodique, vous le savez, c'est un signal qui va se répéter au cours du temps avec un motif élémentaire qu'on peut translater et qui va nous permettre de reconstituer le signal. Donc ce motif élémentaire a une certaine durée qu'on appelle la période. Et soit vous considérez des signaux temporels ou des signaux spatiaux. Et dans ces cas-là, vous avez une période temporelle ou une période spatiale. Je vous ai mis sur la droite une illustration de mosaïque. Donc là aussi, on a un motif qui va se répéter identique à lui-même. Je pense que vous arrivez assez facilement à concevoir que c'est plus difficile de parler de ces notions sur une image parce que c'est un espace à deux dimensions. Contrairement aux signaux temporels, en fait, voilà, on est observateur dans l'espace, on est à un endroit donné, on écoute le son qui arrive à notre oreille. Donc c'est un signal temporel qui est plus simple à analyser. Donc moi, j'ai pris le parti au départ de vous présenter cet outil qui est la transformée de Fourier sous forme temporelle. Alors, juste quand même pour vous rappeler un petit peu comment est-ce qu'on peut rattacher ça à l'image. Hein. Donc en gros, j'ai pris l'image la plus simple qu'on peut utiliser en transformée de Fourier. Vous avez une alternance de plage noire, blanche, noire, blanche. Dans le cas idéal, vous avez vraiment une transition infiniment rapide entre les deux plages. Donc ça veut dire que vous avez une netteté totale entre le noir et le blanc. Donc dans ces cas-là, vous avez ce qu'on appelle un signal créneau, que j'ai représenté ici, donc sur cette slide. Okay, donc on repère donc cette alternance haut-bas, qui rend compte de l'alternance au niveau des plages. Et puis, si vous photographiez cette mire qui est idéale, selon la qualité de l'optique, bah, vous n'allez pas avoir le contraste qui va être restitué parfaitement. Et donc, vous allez avoir des zones grises au niveau des brusques variations de luminance. Et donc, c'est ce que vous arrivez à voir sur l'image de droite. Et donc, si vous coupez ces images en un axe horizontal et que vous représentez les variations de luminance en fonction de l'espace, bah, vous arrivez à ces signaux périodiques. Donc la sinusoïdale que je vais pas mal développer pour la théorie de Fourier, elle est indiquée sur la slide de droite, enfin sur la partie de droite. Et donc c'est important de voir qu'on peut l'écrire sous cette forme. En tout cas, ça va beaucoup servir dans la théorie de Fourier. Donc en gros, vous avez un signal périodique de période grand T, sinusoïdale, et donc vous pouvez l'écrire avec l'amplitude devant et le terme en cosinus, avec 2π sur grand T, T étant la période qui arrive devant l'axe des abscisses. Pascal Martin et j'enseigne l'optique appliquée en photo et cinéma. Je vais donc vous parler d'optique en relation avec la thématique et un petit peu au-delà de cette thématique. On va parler de l'incidence de l'objectif et pour ce faire, j'ai commencé donc par expliquer un petit peu la présentation que nous allons avoir. Donc la présentation, on parlera du rôle conjoncturel de l'objectif avec un certain nombre d'éléments, je ne vais pas lister, hein, c'est devant vous. On parlera des différents types de moyens de contrôle et là par contre on abordera quelque chose qui a déjà été évoqué ce matin, à savoir la fonction de transfert de modulation. Et puis on interviendra, donc on parlera également de comment on peut intervenir sur l'image, peut-être directement à travers l'objectif ou en ajoutant des filtres. Le système de bon FDM nous permet donc de travailler ce qu'on appelle une mesure infinie Fourier. Alors on va aller faire un petit tour au labo d'optique. Donc comme on vient de le voir, la FTM, ou ce qu'on appelle la fonction transfert de modulation, ça permet de déterminer la relation qui existe entre le pouvoir séparateur, la limite de résolution de l'optique et son contraste. On a vu que ces deux fonctions, ces deux entités étaient liées. Donc en fait, l'appareil qui est juste derrière nous, nous permet de déterminer ces courbes. Et pour ce faire, en fait, on va envoyer sur l'objectif de la lumière. Et il y aura une analyse qui va être faite à partir d'un capteur, qu'on appelle un capteur ASO. Et ce capteur, en fait, va faire des opérations mathématiques à partir d'un front d'onde pour déterminer à la fois donc le domaine de fréquence spatiale de l'optique et sa transmission en contraste. Et pour ce faire, on a besoin d'envoyer un faisceau collimaté, c'est-à-dire un faisceau qui vient de l'infini. Et le faisceau vient de l'infini, ça veut dire qu'en fait, eh bien, on a un faisceau qu'on appelle un faisceau parallèle. Alors, on va regarder ça maintenant de plus près. Donc on a un point source qui émet de la lumière. Ce point source, donc évidemment,
À la sortie de ce point source, on a un faisceau de lumière qui est un faisceau divergent. On va arriver ici sur un miroir plan, dont le but c'est de replier le chemin optique pour éviter finalement que le point source soit ici. Et on voit ici que maintenant le faisceau a été limité, on pourrait dire diaphragmé, par ce qu'on appellerait un diaphragme de champ, c'est-à-dire le miroir plan. Et on va arriver ici sur un miroir qui est particulier parce que c'est un miroir sphérique. Et le foyer de ce miroir sphérique est confondu avec le point source qui est là. Alors en réalité, c'est un miroir qui est parabolique pour éviter des aberrations qu'on appelle les aberrations sphériques. Et à la sortie de ce miroir, on va donc trouver un faisceau de lumière parallèle. Qui dit faisceau de lumière parallèle dit en optique, en fait, un faisceau qui provient d'un point objet situé à l'infini. Donc là, vous allez avoir ici, on a un miroir à 45 degrés, donc qui renvoie le faisceau parallèle, imaginez que c'est comme un tube, et qui arrive ici sur l'objectif. Derrière, on a ici un point. Ce point va être analysé par le dispositif qui est ici. Donc, on va regarder ce que ça donne sur l'écran. Ici, on voit deux courbes FTM qui correspondent à deux axes. C'est pour mettre en évidence des phénomènes d'astigmatisme, mais là, on ne s'en occupe pas. Nous avons sur l'axe des ordonnées, nous avons ici le contraste, et sur l'axe des abscisses, ici, eh bien, nous avons donc le pouvoir séparateur, la limite de résolution ou la fréquence définie en paire de cycles par millimètre, en cycle par millimètre, ou en paire de lignes par millimètre. Donc ici en bleu, on a une courbe, c'est la courbe limite, c'est la diffraction, c'est-à-dire que on ne peut pas dépasser cette courbe-là. Si l'objectif était parfait, eh bien, en fait, la courbe réelle de l'optique qu'on obtient ici serait proche de la diffraction. On va voir tout à l'heure qu'on va s'y rapprocher, mais en faisant une opération particulière. Alors, donc, ici, on prend une résolution, un contraste limite, un moyen, par exemple, de 0,5, hein, c'est-à-dire, on se met à peu près donc à la moitié de notre facteur de contraste ici. Et ici, le point d'intersection, ça va nous donner, là, à cet endroit-là, vous avez effectivement, donc, pour 50 paires de lignes par millimètre, on a la valeur, de la limite de résolution. Donc, si je déplace ici, eh bien, en fonction, effectivement, plus le contraste descend, plus la limite de résolution va augmenter. Bon, alors, comme on l'a vu, donc, précédemment. Alors, là, ce qui est intéressant, ce que nous allons faire, on va simplement diaphragmer l'objectif. C'est-à-dire qu'on va fermer le diaph. Voilà. Alors, regardez bien, donc, la courbe qui est ici. Regardez la courbe qui est ici. Et regardons ici la valeur qui est là. Et puis, surtout, on va observer ce qui se passe en termes de cycle par millimètre, c'est-à-dire en fait la réponse de l'objectif capable de donner du détail. Donc ici, je vais fermer le diaphragme. Voilà. Donc on voit que en fermant le diaph, la qualité de l'optique augmente. C'est normal parce qu'on a supprimé des aberrations, donc qu'on appelle des aberrations géométriques. Mais on voit au fur et à mesure que l'échelle qui est là diminue, on se rapproche de la diffraction. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, plus on va diaphragmer, eh bien, on a effectivement un objectif de entrée en théorie de meilleure qualité que ce qu'on avait précédemment, mais dans un intervalle qui est beaucoup plus court. Autrement dit, ça veut dire que là, eh bien, en fait, la diffraction va limiter le pouvoir séparateur de notre optique. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, d'utiliser une optique complètement fermée, parce que si on l'utilise complètement fermée, eh bien, évidemment, on se retrouve d'un point de vue qualitatif avec quelque chose qui est en dessous de ce qu'on pourrait avoir quand on va travailler avec un diaphragme nominal aux alentours de 3 diaphs au-dessus de l'ouverture, c'est-à-dire à peu près le diaphragme idéal, c'est 3 diaphs au-dessus de la pleine ouverture, 3 à 4 diaphs, c'est-à-dire ici sur cette optique-là, on serait aux alentours de 5, 6, 8. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet appareil. On va aborder le deuxième point, hein, de le contrôle. Alors là, je vais rebondir sur un texte, et ça, c'est la seule chose qui va être redondante par rapport à ce que les cinédos aujourd'hui connaissent, mais pour moi, c'est le test d'anthologie. Voilà, c'est un texte que j'adore, parce que c'est lui qui explique de façon très très bien une relation donnée. Je le fais surtout pour les gens qui ne le connaissent pas, mais les cinéens, vous le verrez avec moi, et surtout pour nos amis qui nous écoutent en visio.
Niepce écrivait beaucoup à son frère et il découvre en fait qu'en mettant grosso modo un diaphragme devant la lentille qui compose, enfin qui équipe sa chambre obscure, donc c'est une simple lentille, il constate en fait qu'en mettant un simple diaphragme, il dit l'intérieur de la boîte étant moins éclairé, l'image en devient plus vive. Et il explique que les contours sont mieux marqués. Après, il continue en disant qu'il avait continué à mettre un disque, mais qu'il avait un disque trop rétréci, donc ça veut dire en fait un diaphragme trop fermé, et que l'image était de moins bonne qualité. On va rebondir là-dessus, évidemment. Et enfin, il dit qu'il y a des proportions, a priori, dont on ne peut s'écarter. Hein bon. Et enfin, il dit, lorsque l'objectif est à nu, ça veut dire je n'ai pas mis de diaphragme, eh bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Mon image, ben là, elle est encore de moins bonne qualité, mais il ne le dit pas directement, il dit quand même, on obtient, alors il parle de spectre coloré, c'est-à-dire qu'il y a certainement des aberrations chromatiques, ça veut dire qu'en fait, il y a une diffusion un petit peu de l'image, mais quoi qu'il en soit, il démontre deux choses. Que l'ouverture a une incidence sur la qualité de l'image, ben, voire ce qu'on sait sur les aberrations d'ouverture d'aujourd'hui. N'oubliez pas que ce texte, il date de 1816. N'oubliez pas que Niepce n'était pas un scientifique. C'était quelqu'un qui découvre au fur et à mesure en pompant dans plusieurs bouquins. Je propose effectivement, pour qu'on boucle, de voir la petite séquence qui a été tournée par notre ami Rami chez Alain, où il explique notamment par rapport, donc je pense plutôt aux écoles, qui ne sont pas sur notre continent, pour certaines, pour voir effectivement un des laboratoires de... On est en train de préparer le dispositif qui permet de caractériser la sensibilité spectrale des capteurs d'appareils photo ou de téléphone portable. Et donc, moi, je prépare un script qui va permettre de changer la couleur de la lampe qui se situe là, en échantillonnant le spectre tous les 10 nanomètres. Et je démarre à 390 nanomètres pour arriver à 700 nanomètres. Et donc on travaille vraiment donc, sur tout le spectre visible, y compris les UV proches, UVA, et proches infrarouges en fait. Nos caméras, en règle générale, elles vont avoir un domaine plus restreint que ça en fait. Il y a très peu de caméras qui sont sensibles au-delà de 750 nanomètres, alors que nous percevons au-delà de 700 nanomètres. Et donc, là, l'idée, on a un protocole sous MATLAB, etc., où on va pouvoir soit piloter les caméras, soit les appareils photo. Et l'idée, c'est de venir scanner tout le spectre pour après pouvoir venir faire la réponse, longueur d'onde par longueur d'onde, du code numérique. Et à partir de ça, on est capable de donner la sensibilité spectrale de la caméra ou de l'appareil photo. Donc là, on ne fait que le simuler. Donc on balaye, en fait on a fait une petite séquence, on va se mettre dans l'obscurité parce que là on est finalement très pollué par les LED qu'on a au-dessus. Mais là ce qu'on passe, c'est que vous voyez, on passe les longueurs d'onde les unes après les autres. Ça, c'est un dispositif pour étudier la balance des blancs des caméras. Parce que dans le coup, on va être capable de faire de la lumière à 3000 kelvin, de la lumière à 3005, 4000, etc. Et pour savoir du coup justement si elle est équilibrée voilà, c'est ça. Température. C'est ça hein. Oui. Ce genre de dispositif aussi, on peut s'en servir complètement pour faire des analyses sur la perception. Par exemple, on peut, c'est assez facile avec le dispositif, là, de retrouver notre propre courbe d'efficacité spectrale. Parce qu'en fait, la nôtre, nous sommes des individus tous différents. Il y a un logiciel libre, accessible sur toute plateforme, c'est ExifTool. ExifTool va nous permettre de vraiment extraire tous les métadatas et voir, de les changer dans vos fichiers. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire à partir d'opérations extrêmement simples, on est en train de préparer une fonction qui va nous produire le résultat qu'on cherche, c'est-à-dire être capable de nous représenter la courbe caractéristique de la caméra. Et du coup, une quatrième ligne, pardon. Exactement. Ton RGB, là tu fais 4, 3, RGB. Ah oui, pardon. Mais est-ce que si l'image, je vais descendre la part tout à l'heure. Quoi?
Bah, je comprends. Oui, c'est bien. Ça fait des Du coup, on a vu une première partie, on était dans le labo de sensitométrie, donc il y a une pièce qui est étanche à la lumière, où on peut faire des mesures assez précises sur des systèmes de captation. Donc là, on a vu pour la vidéo sur un téléphone, mais on l'a fait avant sur des caméras. Donc en fait, on filme des mires qui sont rétroéclairées par des sphères d'intégration, qui donne une lumière neutre et bien étale. Et de l'autre côté, comme on a vu aussi ce qu'on a fait avec le téléphone, c'est que là, c'est une sphère d'intégration qui diffuse longueur d'onde par longueur d'onde pour faire une analyse au niveau de la couleur. Parce que nous aussi, quand on a utilisé les caméras, c'était une analyse au niveau de la réponse. C'était pas forcément lié à la couleur, c'était plutôt lié à la sensibilité de la caméra. Voilà. Et après sur MATLAB, donc qui est le logiciel avec lequel on traite les images, notre objectif c'est d'avoir la courbe de réponse du capteur. Je vais vous parler de la peau, des enjeux un petit peu de filmer la peau au début du XXe siècle. Donc j'imagine que c'est un petit peu, peut-être un peu, ça vous semble peut-être un peu éloigné de vos préoccupations et peut-être de ce que vous avez fait dans les ateliers et ce que vous avez déjà entendu depuis le début de la semaine. J'espère néanmoins que ça fera un petit peu écho à certaines des choses que vous rencontrez en termes d'histoire de collaboration, en termes de réflexion sur la question, par exemple, du genre, genre au sens de sexe social homme-femme, la question aussi, effectivement, de la couleur ou des couleurs, plutôt, de la peau. Alors, de manière un petit peu plus précise maintenant, puisque moi, je vais vous proposer effectivement de regarder un petit peu la question du rendu de la peau, de la manière dont on la photographie, puis surtout un peu l'histoire du maquillage et quels sont les enjeux représentationnels. Alors, ça peut poser effectivement des questions de couleur de peau, bien sûr, des questions de genre. Ça peut, les couleurs de peau renvoyant potentiellement à des questions à la fois de genre et de race, mais pas uniquement, hein, puisque ça peut être aussi des questions, des enjeux représentationnels de classe, de ce qui est malade, de ce qui est sain, de ce qui est sain, pardon, de la vieillesse comme de la jeunesse, et puis également aussi des enjeux de hiérarchie au sein d'un groupe d'acteurs, par exemple. Et puis aussi des questions qui sont propres à notre pratique, à la prise de vue cinématographique et au montage d'un film, des questions de raccord, des questions d'étalonnage. Voilà. Ce que je voudrais effectivement mettre en valeur dans cette étude, c'est l'histoire en fait de cette logique combinatoire qui préside donc à la fabrique d'une image et notamment donc l'image d'un visage ou d'un corps. Cette adéquation où on peut faire varier les paramètres, et là j'imagine que ça vous parle, entre l'acteur qui offre sa morphologie, son visage avec sa forme de visage, sa coupe de cheveux, la matière de sa peau, la question de l'émulsion, de la caméra numérique, la question de l'optique, la question de l'éclairage, la question aussi potentiellement du développement du tirage et puis bien sûr de l'étalonnage et tout ce qu'on peut faire en post-production. Donc en fait, finalement, se poser ces questions-là, en fait, un petit peu de choix. Mais ça, ce sont aussi des questions aussi qui sont politiques, hein, qui sont, c'est-à-dire que ça vaut aussi, ces questions-là amènent à se poser des questions sur les enjeux de la collaboration, de la répartition des compétences et l'historicité de cette collaboration et comment se répartissent et comment bougent et évoluent en fait la répartition des champs de compétences entre les uns et les autres. Voilà, cette idée en fait d'abolir. Et alors, il y a deux films qui ont joué ce rôle-là très important en France. Évidemment, c'est Jeanne d'Arc de Brière. Et puis, c'est aussi Verdun, Vision d'Histoire de Poirier. Hein. Et ça marque les esprits. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée plus loin, par exemple, en 28, on va dire le maquillage très blanc depuis Verdun et la passion de Jeanne d'Arc nous gêne de plus en plus. Hein. Ça entérine en fait cette idée que le maquillage d'avant, le maquillage qu'on critiquait déjà d'ailleurs au début des années 20, ce n'est plus possible. Voilà. Et une autre chose, alors bon, évidemment, ce ne sera pas finalement pas abandonné. Et ce qui va se jouer, en fait, c'est une adaptation. Hein, voilà, donc vous voyez les tournages en extérieur et puis le tournage en intérieur. C'est très difficile, par contre, de voir un petit peu, de bien percevoir les faux raccords maquillage. C'est plus visible sur les faux raccords costumes. Vous voyez, hein, c'est la même robe, hein, même robe en intérieur, sur Porto et tournage en extérieur. Pour le maquillage, c'est un peu différent. Par contre, les yeux, vous avez vu. Hein.
Vous avez vu la différence. Là, c'est sur ortho, les yeux bleus de Betty Balfour. Mais ce qui va se jouer, donc, en fait, c'est un coup de force, en fait, vraiment très, très... c'est Max Factor, en fait, qui va imaginer, justement, le panchromatique, le maquillage, un maquillage panchromatique. Et ça s'inscrit, en fait, dans une montée, en fait, en puissance, en fait, des maquilleurs, en fait, à la fin des années 20, qui bien sûr, doit être pensée en lien avec l'arrivée de la nouvelle pellicule. Donc, on va avoir des essais, et notamment avec les fameuses lampes Mazda, on va avoir cette invention d'un nouveau maquillage adapté à cette nouvelle pellicule. Et puis, ça va de pair avec d'autres choses qui sont, par exemple, la création d'écoles de maquillage en Allemagne comme aux États-Unis, et puis d'associations, et je terminerai là-dessus, sur notamment des unions, des associations professionnelles. Hein. Et aux États-Unis, par exemple, début 27, donc on est vraiment dans cette période-là, ce sont ces années-là où on a justement... l'apparition de la Motion Picture Makeup Artist Association qui se réunit justement dans ce fameux building que vous voyez en haut, alors qu'il n'y avait pas cette forme-là à cette époque-là parce qu'il a été remaquillé, refait à l'extérieur en fait dans les années 30, mais qui a été construit et finalisé en 1928, qui était le grand building en fait de Max Factor, où vous aviez justement Perks Westmore qui a été président de la première année de l'association et qui venait faire des conférences sur qu'est-ce que c'est que le maquillage spécial, etc. Et puis vous le voyez, là je vous ai mis une publicité, puis je terminerai là-dessus, dans The International Photographer, donc c'est 29. Enfin, j'aurais pu vous en prendre, mais des dizaines et des dizaines qui sont parues dans l'American Cinematographer ou le The International Photographer, donc à destination des opérateurs, hein, ces revues, qui font effectivement, vous voyez, hein, la publicité du panchromatic make-up et qui reviennent donc exactement, même stratégie publicitaire que Kodak, qui, pour valoriser sa pancro, au même moment, fait paraître le même genre en fait de publicité, où on a un photogramme en fait du film, on dit ce film-là avec tel chef op, etc., a été tourné sur pellicule panchromatique, la pellicule Kodak, etc. Et on a exactement cette même chose-là. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Burning. Et dans l'idée, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit une discussion et pas une conférence où il n'y a que moi qui parle. C'est pour ça que je vous ai demandé de voir le film avant. Dans la mesure du possible, j'aimerais bien que tout le monde puisse participer, autant à l'ISIS, à l'ALBA, qu'ici dans la salle. Alors pourquoi j'ai choisi un film coréen ? Ça fait deux jours qu'on est en train de parler de l'importance de la culture quand on fait un film, du point de vue, de tout l'aspect social. Donc comme on est tous issus de continents différents, je me suis dit on va se mettre tous sur un pied d'égalité et on va étudier un film coréen, qui est donc une culture qui est plutôt éloignée de toutes les nôtres. Donc, ce qui va nous rajouter une difficulté quand il s'agit des peaux et de la lecture de tous les codes sociaux, mais en même temps ça va être un bon moyen, je pense, d'échanger nos points de vue, parce qu'on va tous avoir des lectures différentes ou en tout cas qui peuvent différer de certains éléments qui sont présentés dans le film. Il y a un truc où, en fait, on l'a amené dans un milieu qui n'est pas le sien et que là, d'un coup, il va commencer à reprendre un peu l'avantage, tant bien que mal, à travers la conversation. C'est un des rares plans où il y a une personne entièrement seule dans le plan, sans aucune amorce. Il est vraiment mis à part dans la façon de découper, de filmer différemment.
On peut aussi parler du vestimentaire. Ils sont un peu dans les mêmes tonalités. Elle a un t-shirt qui est clair, mais qui est un peu dans le vert. Bon, alors, je m'excuse pour la qualité des captures et de l'extrait. C'est très compressé, donc c'est un peu plus saturé, tout ça, tout ça. Mais on voit l'esprit, c'est-à-dire qu'eux, ils matchent complètement avec l'environnement qui est dans un vert. L'éclairage, on pense à du fluo. Ça fait tube fluo, ça fait un peu verdâtre, ça fait ce genre de lumière un peu clinique. Du coup, je vais vous donner la parole pour que vous nous expliquiez un peu vos choix et ce qui vous intéressait dans ces films-là. Ce film, c'est irritant d'avoir une voix sur la fabrication, c'est tout ce qui a comme croyance et mythe autour de l'instrument. Et tout, à travers une réflexion préalable, c'est comment le savoir se transmettre dans une Afrique à tradition orale. Et ce film, j'ai eu l'impression, au vu des prix, qu'il avait eu un certain succès à sa sortie. Et pour vous contextualiser un peu la chose, notamment à Paris, parce que je pense que c'est pas forcément des choses auxquelles vous êtes habitués, ça traite du sujet c'est une comédie qui traite du sujet de la polygamie, donc qui existe encore dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest notamment. Et là, il y a un contre-pied qui est pris dans le film où en fait c'est une femme qui décide de pratiquer la polyandrie et donc de prendre un deuxième mari. Ça, c'est pour vous. Ah oui? Ça vient d'où, ça? C'est le petit là qui a amené ça de la part d'une femme. D'une femme? Se sentait pas bien et puis elle avait oublié ses clés alors donc et puis on dirait que t'as eu peur de... Je l'ai entendu se promener dans la chambre, s'arrêter devant le placard, l'ouvrir, s'approcher du bac à linge. J'ai aussi entendu des pas sortir et revenir. J'ai eu peur qu'elle ne fouille. Alors voilà, c'est deux extraits très courts. Éventuellement tout à l'heure j'irai sur YouTube pour voir des trucs un peu plus longs. Sur la première séquence qu'on a vue, donc la séquence extérieure, c'est un contrôle de police. Et la scène d'intérieur, c'est donc le mari de Mina, le personnage principal, qui veut prendre un deuxième mari donc à la suite de ces séquences-là. Donc elle est passée à l'improviste chez elle, et en fait, l'amante, qui se trouve être la voisine, et spoil, la femme du policier, doit se cacher en urgence... Dans le placard. En tout cas, sur l'extérieur, vous pouvez remarquer qu'effectivement, ça vous illustre bien, je ne sais pas si vous vous représentiez, les jours précédents, quand nos amis du Burkina parlaient d'un soleil très fort et de fort contraste, bon, bah, là, vous voyez de quoi on parle. Donc effectivement, en termes de contraste, la gestion est particulière. C'est une lumière qui reste forte, étale. Et qui frappe ses peaux avec un environnement qui est sableux, donc qui est beige, qui renvoie aussi de la lumière. En termes d'exposition, ça pose des questions, ça illustre très bien tout ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'on a un décor qui est plutôt dans les beiges, beaucoup d'éléments clairs finalement. Est-ce que déjà, avant de donner la parole à ceux qui ont fait le film, on va poser des petites questions aux étudiants qui découvrent les extraits. On va vous donner la parole sur votre avis, ce que vous en pensez, les types de lumière. Vous pouvez utiliser ce qu'on a vu ce matin et toutes les images qu'on a vues ensemble pour faire des points de comparaison. Et du coup, si vous avez des questions de technique, n'hésitez pas, puisqu'on a la chance d'avoir l'opérateur qui est là pour y répondre. J'ai une question pour le chef opérateur. C'est comment est-ce que, du coup, dans ces conditions de soleil et de lumière, on réfléchit pour placer les acteurs, parce qu'il y en a un, par exemple, qui a un contre et l'autre qui a le soleil en face. Quel compromis on doit faire? Comment est-ce qu'on... Enfin, quelle priorité on met et comment est-ce qu'on, du coup, on réfléchit à la position des comédiens par rapport à la caméra? Saison pluvieuse, soit saison sèche,
nous avons le mouvement apparent du soleil qui va du nord vers le sud. Par exemple, là, le soleil quitte le nord et maintenant vers le sud. On va vous parler de techniques d'effets spéciaux. Le traveling mite et le chroma key compositing. On va juste vous parler de comment ça fonctionne par rapport au travail d'incrustation des corps et plus particulièrement des visages et de la peau. Et un effet spécial implique qu'une partie de l'image soit réelle et une autre partie soit truquée, mais que le tout paraisse cohérent et crédible pour que cela fonctionne dans l'esprit du spectateur, pour que se passe la fameuse suspension consentie de l'incrédulité, ce « je sais bien, mais quand même », c'est-à-dire c'est « je sais bien que c'est faux, que l'image que je vois est nourrie d'un trucage, mais quand même, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire à l'histoire qui est racontée ». Au début du 21e siècle, sur les toutes premières années, alors dans des films beaucoup plus spectaculaires que l'Anglaise et le Duc, hein, bien sûr, et qui peuvent trouver aussi leur essor dans le film « Tron », de Steven Lisberger, réalisé en 1982, hein, qui est l'un des premiers films avec des images de synthèse et qui va utiliser un compositing, enfin un traveling mat, mais non pas sur fond vert, mais sur fond noir pour incruster ces acteurs dans leur décor doublement virtuel, hein, issu du jeu vidéo. Donc on va avoir un tournage en noir et blanc pour correspondre aussi à ce compositing sur fond noir. Et donc les visages dans le film sont donc en noir et blanc et vont être rehaussés par des accessoires, par des lumières en couleur même très vives. C'est toujours une production de Disney, donc le film s'appelle « L'île sur le toit du monde ». Alors celui-là, normalement, il est un petit peu moins connu. Je ne sais pas si vous le connaissez par rapport à Mary Poppins ou par du principe que vous l'avez vu. Assez souvent, « L'île sur le toit du monde », ce n'est pas le film le plus connu des productions Disney. Ce qui est intéressant ici, la séquence qu'on vous propose, c'est une séquence qui nous pose question. Il y a un défaut technique, enfin il y en a plein. Il y a plusieurs défauts techniques et déjà là, vous voyez sur l'arrêt sur image à quel point la couleur de la peau pose problème. Elle est extrêmement artificielle. Et en même temps, vous allez voir que par rapport au scénario, par rapport à la peur que le personnage est censé inspirer au protagoniste, bah finalement, le défaut technique, tout d'un coup, rajoute un élément esthétique particulièrement fort. Donc, ce film, L'île sur le toit du monde, raconte l'histoire d'explorateurs qui arrivent sur une île sur le toit du monde, hein, pour aller vite, un papa va sauver son fils, enfin bref, peu importe. À ce stade du film, pour que vous compreniez bien la logique, les étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs, sont présentés aux sages et donc aux dirigeants de ce groupe pour savoir ce qu'on va faire d'eux. Et en particulier, tout d'un coup, tout va basculer. Avant 2010, quand tout d'un coup, en post-production, on se dit « bah tiens, peut-être que l'acteur, là, on voit un tout petit peu la forme de son bras dans la ligne de cache, peut-être que là, la peau, elle n'est pas extraordinaire », avant 2010, en particulier quand on n'a pas d'étalonnage numérique et qu'on est encore en photochimique, on ne fait pas ces petites retouches parce que c'est trop compliqué, enfin surtout c'est trop cher à mettre en place. À partir de 2010, il faut bien que vous ayez en tête que dorénavant, entre guillemets, techniquement, tout est possible ou presque. Car à partir de 2010, puisqu'on a d'emblée des 0 et des 1, qu'il n'y a plus la question pellicule numérique, puisqu'on est en numérique, on peut intervenir sur la matière de l'image beaucoup plus facilement. Après, concernant le, enfin pas forcément le sujet des peaux numériques, mais justement des incrustations et du travail de la peau avec l'incrustation, je me demande si toutes ces techniques ne conditionnent pas d'une certaine manière le travail de la lumière ensuite du chef opérateur. Là, on a l'exemple sous les yeux justement des murs de LED ou de The Mandalorian, mais qui oblige à avoir une qualité de lumière bien particulière. À travailler, on n'est pas trop forcément dans une approche hyper abstraite non plus de la lumière. Donc, est-ce que c'est pas aussi négatif de rester
de s'approcher d'un réalisme trop fort. Si on pousse dans une direction ou dans une autre, c'est par rapport à un projet, par rapport à une recherche. Et de ce point de vue-là, c'est pas forcément le réalisme pour le réalisme, parce que ça, ça veut pas dire grand-chose, parce que je pense qu'on a tous un réalisme différent dans la tête. Mais je veux juste rebondir sur la question de la lumière. Bien sûr que les techniques différentes qu'on vous a montrées impliquent un travail de lumière particulier. Et hélas, de temps en temps, c'est pas toujours bien compris. Par exemple, souvent, le fond vert est considéré comme pourri, alors que c'est pas le fond vert qui est problématique, c'est la lumière qui a pas été faite correctement par rapport au fond vert. Je m'appelle Diarra Sourang, je suis chef électricienne de prise de vue cinéma et ancienne étudiante de l'école Louis Lumière. Je suis sortie il y a 4 ans, donc en 2018. Et la raison pour laquelle je participe à cette semaine de réflexion sur la couleur des peaux, c'est que mon mémoire de fin d'études à Louis Lumière s'intitulait « Filmer les peaux foncées ». Alors le principe des deux jours de pratique qui font suite aux trois jours de discussion en commun avec les autres écoles, c'est que chacun puisse éprouver un peu tout ce qu'on a pu dire et supposer lors des cours plus théoriques. Nous, on a conçu l'exercice de manière à ce qu'il y ait toujours au moins trois peaux différentes avec des morphologies différentes qui puissent être présentes sur le plateau pour que les étudiants puissent créer des lumières à partir de photogrammes qu'on leur a donnés et essayer de les reproduire et voir dans quelle mesure, quand on changeait de peau et de visage, il y avait besoin d'adapter. Il y avait une question évidemment d'exposition sur la peau, mais que c'était pas ce qui était le plus criant et que vraiment la morphologie avait un impact beaucoup plus fort que la couleur dans la majeure partie des situations. Le tout début de l'exercice où on a juste regardé comment fonctionnait une lumière sur un visage et sur une morphologie, on a aussi travaillé avec de la couleur, donc on a choisi une couleur très forte, et là notamment c'était du vert, et tout de suite ils ont tous trouvé que c'était plus joli sur une peau foncée, et que c'était plus simple de maîtriser la couleur sur une peau foncée que sur une peau claire, et je suis assez contente que la conclusion arrive si tôt dans l'exercice. Aujourd'hui le but c'était de travailler sur des exercices, enfin c'était essentiellement autour d'exercices à la manière de, c'est-à-dire essayer de reproduire des photogrammes, donc des plans issus d'une sélection que Diarra avait effectuée, des plans qui avaient un intérêt pour les directions de lumière, la colorimétrie sur les peaux, essentiellement ça. Et on avait avec nous quatre comédiens et comédiennes avec des carnations différentes et des morphologies différentes. Donc on a pu à la fois travailler sur la reconstitution de la lumière qui permet de se poser des bonnes questions sur construire une lumière, dans quel ordre on le fait, quels paramètres ont une influence et comment c'est la qualité, la quantité de lumière vont jouer sur la scène. Et à la fois, une fois que la lumière était installée, on changeait les comédiens de rôle ou dans l'espace, on changeait les couleurs de peau, les morphologies, et on regardait si ça nécessitait des ajustements, si le rendu était plus ou moins intéressant, quel était l'impact de la lumière sur ces différentes peaux, ces différentes morphologies. Poser la question de comment la lumière, comment rendre un visage en lumière, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa morphologie, et quels que soient les effets de lumière qu'on essaie de travailler. Une image calibrée qui te donne un aperçu du look que tu veux appliquer sur le film si tu as fait un travail de recherche de look en amont. Il y a un moment donné, l'outil il existe, on te demande, évidemment, comme tu disais, les rythmes de tournage se sont aussi alignés sur le fait que les outils pour aller travailler plus vite existent. Les rythmes de tournage accélérant toujours plus vite que ce que le matériel permet de gagner comme productivité, mais donc du coup on court toujours un peu après le temps. Ça me paraît utopique de se dire je me passe de combo volontairement. Par contre, savoir travailler la lumière sans combo, c'est essentiel et c'est une très bonne façon de commencer parce que tu te poses des questions, tu regardes réellement ce qui se passe. Moi j'ai vu plein de fois, ça c'est vraiment un exemple très très couillon, mais ça m'est arrivé plein de fois que des gens n'arrivent pas à déterminer d'où venait un flair. En regardant le combo, machin, et ça, et en fait, tu dis, mais rien, tu mets à côté de la caméra, tu prends la source dans l'œil, bon, ben voilà, ça c'est le faire. La post-prod, c'est un endroit où on est là pour prolonger le travail et pour aller plus loin. Il ne faut pas prendre ça comme un endroit où on va rattraper les choses. Alors, évidemment, s'il y a une erreur, machin et tout, on rattrape, mais ce n'est pas le but. Il ne faut pas prendre ça comme un garde-fou, il faut prendre ça comme un prolongement du travail pour aller plus loin dans son image, pour aller affiner les trucs. Ce qui, et du coup,
s'imposer une exigence et une précision au tournage qui permettent ce travail-là. Parce qu'en fait, les temps d'étalonnage, ils ne sont pas extensibles. Et si tu arrives avec des trucs où, en fait, tu te dis genre, mais c'est pas grave, il y a de l'étalonnage, il n'y a pas de prod, et donc, du coup, il y a raccord lumière, coloré, machin, entre deux plans, entre deux séquences, entre machin, et tout, on s'en fout, on verra ça en post-prod. Bah, en fait, le temps que tu passes à rééquilibrer les trucs que tu aurais pu faire au tournage, tu ne passes pas à affiner tes réglages, à aller plus loin dans ce que tu pourrais apporter pour enrichir ton image. Quand tu as un truc qui ne va pas en lumière sur un comédien, tu te mets à la place du comédien. Mais j'ai déjà vu des chefs élèves ou des gens avec qui je bossais, que je connaissais moins, qui ne savaient pas ça. Mais c'est pas grave, on a tous des carences, c'est pas la question, mais en fait, à force de travailler qu'à l'écran, qui est le juge de paix de l'image, évidemment, puisque c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qui va être travaillé en étalo et de ce qui va être diffusé après. Donc, de toute façon, tu peux pas, tu vois, tu vas t'en passer, et en plus, tu gagnes énormément de temps, mais il faut vraiment pas oublier toute cette partie-là, ça te permet de savoir faire du pré-light, quand même, ouais, parce que quand tu fais du pré-light, t'as quand même pas de caméra. Ça arrive que la caméra arrive enfin, par exemple, mais la plupart des prélèves sont pensés sans caméra. En vrai, les électros, on passe notre vie à prendre la place des comédiens. En fait, on fait les trajets. Quand on place un plan, mon premier réflexe, c'est de me mettre juste à la place. Déjà, quand on est en décor naturel, qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que un des points clés qui peut paraître être une porte ouverte très, très facilement à enfoncer, mais en fait, c'est pas toujours une évidence, c'est que il n'y a pas de grande différence. Il y a des différences, mais il n'y a pas de grande différence dans la façon d'exposer une peau noire, une peau blanche, une peau asiatique. Il y a des différences parce qu'on va vouloir toujours rendre la peau de manière la plus intéressante possible, quel que soit le degré d'intérêt qu'on a, si c'est de la beauté, si c'est de l'attention. En tout cas, on va vouloir se placer au meilleur endroit possible, mais il y a des vieux adages comme il faut absolument suréclairer les peaux noires qui en fait, sont pas du tout justes. On s'en rend compte qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir... c'est avoir une peau dans un environnement lumineux. Donc si la scène nécessite d'être plutôt low-key, plutôt sombre, ben oui, on aura des peaux noires assez sombres et on va ajuster à la marge. Mais tous les ajustements qu'on a faits n'ont jamais été des grands ajustements différents. Là où on s'est plus posé de questions d'ajustement, c'est sur la morphologie qui, elle, pour le coup, peut rendre des installations lumière très intéressantes sur certains visages et un peu inesthétique, un peu inélégante ou un peu peu à propos sur d'autres morphologies. Donc, on a plus vu des écarts à cet endroit-là que sur les histoires de couleurs, sur les notions de couleurs de peau. Et ça, je pense que déjà, se rendre compte que filmer une peau, quelle qu'elle soit la couleur, c'est avant tout filmer une peau et la placer à l'endroit qu'on veut esthétiquement dans une image, c'est peut-être déjà une bonne leçon à tirer de ce genre d'exercice. On va mettre en plus grand. Mais tu vois que du coup il est moins fort en intensité d'une certaine manière. Là il est plus étalé, j'ai l'impression. Ça va plus loin dans l'image. Quoi. Donc en tournage on a fait que des situations en studio. Le fait est que c'est particulièrement difficile le studio, c'est particulièrement exigeant parce qu'il faut tout fabriquer. On n'a pas ce plaisir qu'on a dans le décor naturel d'avoir déjà des cadeaux offerts par la lumière existante et tout. C'est quand même particulièrement exigeant et moi je trouve qu'ils s'en sortent très bien sur la station, la manipulation et tout. Et après, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils découvrent qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variables en jeu, c'est-à-dire de l'optique au filtre, à la lumière et tout. Et qu'en même temps, en fait, toutes ces variables, quand on donne un peu les explications de comment elles fonctionnent, de sur quoi elles interfèrent et tout, on voit qu'assez rapidement, on est capable de construire des systèmes esthétiques qui permettent de faire l'image qu'on veut, si on donne le bon poids à chaque variable et qu'on appuie sur les bons boutons et tout. Donc c'était intéressant parce que ça nous a permis un peu comme ça de traverser un peu tout ce qui concerne l'image, parce qu'en fait, la peau, ça concerne vraiment tout ce qui traverse l'image, et de voir un peu quel poids donner à quel paramètre, mais ensuite, c'est un apprentissage qui est infini, quoi.
On crée du contraste, on peut retravailler devant avec des drapeaux aussi. Moi, je pense qu'on a besoin aussi un peu pour le fond du décor d'aller un tout petit peu plus loin. Parce qu'en fait, finalement, là, on n'est pas si... Vous voyez les projections d'ombre que vous avez sur du miroir, par exemple. Des trucs comme ça, on est finalement ou de la plante et tout. Je pense qu'on pourrait être un tout petit peu plus rond. Par rapport au champ et par rapport au contraste sur le personnage qui a un contre et tout, moi, je pense qu'on a besoin d'aller taper quelque chose, alors qu'il peut être un tout petit peu plus latéral, mais moi je pense qu'il faut, faire un conte qui soit un peu artificiel et qui nous aidera vraiment dans le fait d'avoir un peu de brillance sur les côtés du personnage. Donc je pense qu'il faut un truc ici. Et effectivement, je pense qu'il faut, travailler le fond pour qu'on sente cette intensité lumineuse qui arrive sur le visage. Il faut qu'on en sente une partie qui arrive sur le fond du décor, et pour avoir de la brillance dans les fonds pour matcher avec le... Enfin, voilà. La place caméra, c'est la petite croix bleue qui a été faite par vos collègues ici. Donc là, on est vraiment sur une source qui est vraiment face. Mais il y a quand même effectivement, moi, je pense qu'il faudrait... Là, c'est la source, elle est exclusivement droite caméra. Et je pense que ça manque un peu gauche caméra. Quand même. Aussi parce qu'on a un effet de carré de la distance qui est que finalement, on est quand même une source qui est nettement plus près de lui que d'elle. Donc on va avoir trop ici, forcément. Et par ailleurs, dans ce truc... dans le fait d'avoir une amorce qui prend une lumière pleine face, ça va assez vite nous déranger. Donc c'est aussi là-dedans qu'on va tricher le contraste, c'est-à-dire qu'on va tricher le niveau de l'amorce. J'ai décidé de participer à ce projet parce que, premièrement, je suis moi-même réalisateur. Ça m'intéresse de voir les... technique au niveau de lumière et caméra, le choix de caméra. Et deuxièmement, le sujet de filmer la bosse, ça me touche personnellement en tant qu'asiatique moi-même. Quand on est comédien, on regarde beaucoup ce qui se passe sur le plateau, et du coup là il y avait vraiment une bonne entente et une bonne écoute entre eux, et du coup on écoutait et tout, et c'est vrai que niveau de la lumière et tout, ils sont très... les détails qu'il faut et tout, je trouve ça incroyable. Une fois qu'ils ont installé les ambiances par rapport à leur référentiel, leur référence, de voir comment d'un comédien à l'autre, par rapport à sa carnation ou alors la forme de son visage, quelle ambiance différente ça pouvait renvoyer. On se faisait la réflexion avec les comédiens hier. On avait un camarade, Eduardo, qui était installé pour la première image. Et déjà, comment les éclairages étaient positionnés, quelle impression ça donnait sur son regard, qui était beaucoup plus sombre. Nous, de toute manière, on fait un maquillage en fonction de la carnation de la peau de la personne. Après, la lumière va s'adapter à eux, en fait, et nous, on peut s'adapter dans les zones de lumière qu'on va donner à un visage. Mais sinon, on va vraiment faire quelque chose de très naturel qui va se rapprocher le plus de comme si on n'avait pas de maquillage, quoi. Moi, je pense que ces deux jours de plateau, c'était une chance qu'on a eue d'avoir juste un temps d'expérimentation avec des comédiens à disposition, du matériel et pas de nécessité d'obtenir un résultat donné. C'est un truc que nous, en tant que professionnels, c'est très rare qu'on ait ces occasions comme ça. Et c'est temps libre, en fait. Quand on est sur un plateau, c'est toujours dans un but très précis. Donc c'était tout aussi enrichissant pour nous que pour eux, en fait. Autant dans les échanges que dans la pratique. C'était vraiment... moi, j'en retire que des choses positives. Je crois que ce qui est hyper agréable dans ce genre de journée, c'est que c'est bénéfique, je l'espère, pour les étudiants et les gens qui intervenaient, et les gens qui y participaient, mais pour moi, pour Dira, on en reparlait encore tout à l'heure, on y voit un vrai intérêt, parce que c'est des moments de vraie recherche de lumière, où on se pose des vraies questions de lumière, mais sans une obligation de résultat dans une démarche de tournage, par exemple. En fait, ces choses-là, quel que soit notre niveau, on a très rarement le temps de les faire. Des essais filmés, on va les faire toujours dans le but d'un film. Donc on va orienter ces essais et on va être dans un temps limité. En tournage, évidemment, on a pas le temps de ça parce que c'est une autre d'autres problématiques qui priment. Et du coup, même pour autant pour Dira, Alexandra et moi, le fait d'avoir ce temps de recherche est très bénéfique. Et moi, j'ai vraiment beaucoup appris ce genre de journée. Aujourd'hui, donc j'interviens avec Martin Roux, qui est chef opérateur. Et on essaie de sensibiliser les étudiants à certaines problématiques d'étalonnage, et notamment comment est-ce qu'on peut fabriquer ce qu'on appelle un look dev, c'est-à-dire un look en fait pour son image,
pour avoir des rendus et quels rendus sont importants là-dedans, dans les, notamment on s'est beaucoup intéressé à la peau, comment est-ce qu'on fait pour avoir une peau qui soit intéressante, qui nous plaise et qui prenne en charge tout un tas de problématiques qui ont un peu un impact sur notamment le maquillage ou la lumière, et comment l'étalonnage à cet endroit peut intervenir pour aider en fait à aider le travail du chef opérateur à la prise de vue et en étalonnage. Aujourd'hui, on discute de comment on traite les fichiers de caméras de cinéma et comment on conçoit des modifications colorimétriques qui sont agréables pour la peau, dans le but d'avoir un traitement comme ça des rushs, une émulsion film pour des rushs de cinéma, de fiction, de documentaire. Ce matin, on a regardé des plans, des plans qu'on a ramenés nous, qui sont des comédiens avec des mires, qu'on a regardé sans étalonnage, puis on est venu mettre notre look dev dessus pour essayer de montrer où est-ce qu'on faisait des transformations colorées, qu'est-ce qu'on faisait en termes de courbe de contraste, quelles couleurs on venait enfoncer, déplacer. Du coup, je suis arrivé ce matin avec des images d'essai de visage et de peau que j'ai fait pour mon film. Le but, c'était de leur montrer que, en fait, déjà, on fait un peu la même chose tout le temps, aussi pour les films de cinéma qui seront amenés à faire après, quoi. Leur montrer que les problématiques n'étaient pas tout à fait les mêmes, parce que quand on fait un film de fiction, l'acteur ou le modèle est une constante et pas une variable. On ne fait pas défiler des modèles comme ça devant la caméra, on sait déjà qu'est-ce qu'on va filmer et on s'adapte à lui. Mais donc je leur montrais un peu ce que moi je mets en œuvre réellement dans une situation de vraie fabrication de film. Et après, j'appliquais un peu les mêmes méthodes à leurs images, donc leur montrer qu'en fait, à leur niveau et dans l'école, ils pouvaient tout à fait mettre en œuvre des procédures de post-production tout aussi étoffées que ce qu'on fait dans l'industrie. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est à avoir en implant un truc qui va donner le maximum de signes de comment on déforme la couleur, comment on interprète le signal de l'image. Donc en fait, on va chercher à avoir des dégradés de saturation et des dégradés de contraste et beaucoup de couleurs de peau différentes, parce que comme je vous l'ai expliqué, la peau c'est un espèce de point de concentration incroyable. Donc si on met qu'une seule peau, en fait on n'a pas couvert l'ensemble des problématiques de la peau. Ensuite, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est on va regarder les essais, enfin c'est pas des essais, c'est un film qui a été tourné par les étudiants hier, et on va appliquer la même chose, c'est-à-dire on va venir essayer de matcher les références qu'avaient les étudiants, et en étalonnage on va essayer de se rapprocher au maximum de ces références ciné qu'ils avaient. Et ça va soulever tout un tas de problématiques sur les peaux, notamment les peaux, comment est-ce qu'il faut éclairer les peaux, qu'est-ce qui va manquer en lumière, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour qu'à l'étalonnage, ça se passe mieux. Dans un menton, parce qu'en fait, on a clairement. C'est pareil, alors que celui-ci. Parce que moi, je trouve qu'on a trop de détails qui sont pas. En fait, là, je vois pas les yeux, parce que ça, c'est un effet de l'ambiance. Et par contre, j'ai à regarder une myriade de petits points qui tiennent du fait que c'est rasant. L'acteur est pas ça, parce que tu es là. En vrai, c'est pas très. Comprends, Isabelle Huppert. Non, mais c'est pas la question que ce soit disgracieux, c'est une question que. Ça attire le regard. Ça attire trop le regard. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit là, c'est là, il n'y a pas de souci, mais bon, là, on n'a pas de définition équivalente. Mais je veux dire, ça attire pas autant le regard que ce point-là que je voudrais que ce soit ce qu'on regarde. Ce que je peux dire sur les différentes teintes de peau quand on les étalonne, parce que moi c'est quand même à cet endroit-là que je me situe, c'est que d'une part à l'étalonnage on est très tributaire de ce qui a été fait à la prise de vue, donc les problèmes qu'on peut rencontrer c'est souvent les peaux noires qui sont pas assez éclairées et on nous demande un étalonnage de venir les ressortir plus haut et puis en fait c'est pas possible s'il n'y a pas de lumière. Et puis il y a aussi parfois des problématiques un peu plus politique, en tout cas idéologique, c'est-à-dire ça arrive souvent qu'on me demande de ressortir une peau noire alors que c'est une scène de nuit et qu'en fait il n'y a pas grand-chose à voir à cet endroit-là. Et là il y a des débats un peu plus complexes qui s'installent sur mais finalement qu'est-ce que vous voudriez voir de ce personnage noir qui passe dans une cuisine qui n'est pas éclairée. En tout cas, ce qui m'interpelle, c'est que je trouve que les étudiants sont quand même particulièrement formés en fait aux questions de traitement d'images en numérique. C'est-à-dire, on sent quand même que c'est devenu extrêmement commun de traiter des images, d'avoir des logiciels à la maison qui le font et tout. Je les trouve très à l'aise là-dessus. C'est intéressant parce que du coup, je trouve qu'ils ont
ils ont déjà une, sans avoir vraiment commencé à rentrer dans les questions complexes du sujet, ils ont déjà en fait une assise assez importante sur ces questions-là, et je pense que ça va faire une génération de praticiens de l'image qui va pouvoir aller assez loin et qui sera vraiment très à l'aise. Il y a les images décontrastées et désaturées, c'est pas forcément par, c'est même pas du tout par choix esthétique, c'est plus qu'effectivement, ça vous permet de vous positionner sur rien en fait, puisque du coup, tout est à peu près équivalent. Et donc, notamment dans la publicité, il y a une espèce de biais comme ça où les gens adorent les images flat et non étalonnées, parce que du coup, ben, on fait de choix sur rien. C'est-à-dire que tout est à peu près OK, tout est à peu près, converge à peu près dans la même direction de gris, donc il n'y a rien. Et dès qu'on contraste et qu'on sature, les gens sont hyper inquiets parce que ben, du coup, on peut se positionner. Quoi. C'est comme dans la vie où les couleurs elles commencent à disparaître. Enfin, il y a plein d'études qui montrent que dans les villes et tout ça, il y a de moins en moins de couleurs et qu'on est dans un monde de plus en plus en noir et blanc. Il n'y a rien qu'à voir les modèles de voitures aujourd'hui, si on va être super éphémérique, il n'y a pratiquement plus aucune voiture colorée. Quand on a regardé un peu le look dev, on a fait plein de transformations de contraste et des transformations colorées. Il y a un étudiant qui m'a demandé sur quoi on se basait en fait pour aller faire cette transformation, comment est-ce qu'on définissait que le rouge devait être plus orangé et que le bleu devait être plus cyan. Et en fait, je lui expliquais qu'on se basait beaucoup sur l'héritage du 35 mm et de la photochimie argentique, parce qu'en fait, on a 60 ans de cinéma derrière nous avec des gens qui ont énormément réfléchi à qu'est-ce qui est intéressant perceptivement en termes de couleur et de contraste. Et quand j'ai dit ça, en fait, je sens aussi qu'il y a une autre interrogation derrière ça qui est. Parce qu'il y a un autre étudiant qui m'a dit, mais comment on fait si on veut faire autre chose? Et c'était tout l'intérêt, c'est l'intérêt de cette journée aussi, c'est de leur expliquer qu'il y a un héritage en termes de... Il y a une culture colorimétrique, d'une certaine façon, qui est issue de l'argentique, de la photochimie, et qu'en fait, aujourd'hui, on peut se servir de cet héritage et comme un espèce de socle avec tout un tas de saturations, de couleurs qui nous intéressent parce qu'on a envie de les retrouver. Et en même temps, on peut s'en éloigner un peu et proposer des choses plus contemporaines, plus modernes, comme font tout un tas de réalisateurs qui, en fait, ne tournent plus en argentique, mais pour autant sortent des étalonnages qui sont très beaux et qui sont très flatteurs, mais qui se distinguent un peu avec des saturations qui sont un peu plus modernes et des teintes qui sont un peu différentes de ce qu'on faisait dans les années 70. Moi, c'est ce que j'aimerais leur dire, en tout cas, c'est il faut pas sombrer dans le mysticisme du 35 mm comme si c'était quelque chose qui était intouchable et qu'on ne pourra jamais refaire, ni être dans une espèce de défaitisme du numérique qui serait moche et qui permet rien, alors qu'en fait, on peut faire des choses magnifiques en numérique. Et il faut juste avoir les bons outils, avoir des workflows qui sont correctement paramétrés pour pouvoir travailler bien. Et après, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. C'est sûr que ça peut pas tomber du ciel, il faut avoir une certaine cinéphilie, il faut avoir une certaine culture de l'image, mais c'est plutôt merveilleux et je trouve attirant de se dire que en fait, on a d'une certaine façon, on a plus de choix que quand on tournait en argentique où en fait le médium prenait déjà en charge tout un tas de choses et c'était très bien fait, parce que moi je trouve que la pellicule, le rendu est très beau, mais aujourd'hui en fait on peut se prendre de ça ce qui nous plaît et puis y ajouter des choses plus personnelles, plus contemporaines qui font référence à un autre type de culture qui n'est pas forcément la culture cinématographique et ça c'est plutôt réjouissant je trouve.
Alors merci beaucoup pour ces images que vous nous avez envoyées et que nous venons de regarder. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous en parler, nous donner un peu plus de détails sur, sur la façon dont vous avez abordé les choses, ce que vous avez testé, les choses que vous avez remarquées, comment vous avez travaillé avec les sources en direct, en réflexion, voilà, nous en dire un peu plus sur votre processus. Avec la classe, on s'est organisé de façon à avoir une approche pour essayer plein de situations d'éclairage différents par rapport à plein de teintes de peau différentes. Du coup, des teintes plus claires, des teintes plus foncées, des teintes plutôt blancs, des teintes plutôt noires. Et on a essayé de vraiment avoir le plus de situations possibles dans le délai de temps qu'on avait. Et toutes les situations qu'on a faites, on les a faites en studio. Et du coup, on a essayé principalement de jongler en des situations plutôt daylight, des situations un peu plutôt sombres, des situations qui ressembleraient plus à l'éclairage qu'on aurait dans une soirée avec beaucoup de couleurs, ou dans des éclairages plus, plus monochromatiques. Et là, c'est aussi là qu'on a beaucoup appris sur les différentes façons de laquelle la peau reflète la lumière. C'est-à-dire que comment les teintes plus foncées, les teintes plus claires reflètent la lumière dans un environnement plus sombre, un environnement plus clair. Et aussi le fait que, dépendamment de l'éclairage qu'on a et de l'acteur qu'on a, ou de l'actrice, du talent qu'on a, l'éclairage peut vraiment changer la vision qu'on a de, du talent dans la scène spécifique. C'est-à-dire que les façons desquelles la peau représente, la peau reflète la couleur, par exemple, ça peut jouer un rôle très important dans une scène, car ça peut être utilisé de façon narrative, dans l'histoire. Et c'est quelque chose avec lequel on a fait différents essais. C'est-à-dire que chaque situation, on a fait beaucoup de fine-tuning tout le long de l'essai. Et on a gardé la meilleure prise à la fin. Celle où, d'un certain côté, on a essayé de garder une certaine fidélité à la couleur de la peau d'une acteur ou actrice. Mais aussi, on a vraiment essayé de ne pas s'éloigner de la situation. C'est-à-dire que dans une scène sombre, par exemple, on n'a pas essayé de faire en sorte que les teints très clairs soient plus foncés, ou bien les teints plus foncés soient plus clairs. On a essayé de préserver à chacun sa certaine luminosité, car une des conclusions à laquelle on est arrivé, c'est que narrativement, il est important de faire en sorte que l'éclairage préserve l'histoire qu'on essaie de message qu'on essaie de transmettre, et aussi que notre éclairage soit fidèle à notre lui-même. On ne veut pas arriver à un stade où notre acteur ne ressent pas à lui-même, à part sa défaut narratif, bien sûr.
Est-ce que vous adaptiez la lumière, notamment à la fin, la séquence qui avait été imaginée par Micha? Est-ce que vous avez changé l'expo et la lumière en fonction des modèles, ou est-ce que vous avez juste changé les modèles et regardé ce que ça faisait? Justement, pour cette séquence, il me semble qu'on n'a pas changé l'exposition et qu'on voulait voir ce que ça faisait de ne pas rattraper en fonction des différentes teintes de la peau et de voir comment est-ce que des carnations pouvaient se comporter dans le même environnement lumineux. Et sinon, dans les autres séquences, quand on rattrapait, c'était soit un changement de niveau, soit on ajustait, par exemple, l'angle d'attaque d'un remplissage avec un poly, ou par exemple, parfois, on rapprochait un poly parce qu'il fallait qu'il joue plus pour les carnations plus foncées. Mais dans la dernière séquence, non, justement, on voulait ne pas faire de rattrapage pour voir ensuite les différences. Oui, moi, j'avais une question sur... qu'est-ce qui a guidé votre choix d'étalonnage? Parce qu'il y a, enfin, de votre choix de look et d'étalonnage, il y a une vraie différence, notamment de choix de couleur entre sans et avec étalonnage. Et je voulais savoir si vous arriviez à mettre des mots sur ce qui a guidé vos choix artistiques à ce moment-là. En partant de ce qu'on a étudié, enfin ce qui a été présenté plutôt dans la semaine, en fait, des études tout simplement de psychophysique. Des études sur l'image qu'on apprécie, on a essayé de concevoir un pré-développement, donc c'est-à-dire une manière de traiter notre image qui correspond un peu au développement du film. C'est-à-dire on a une image qui sort de la caméra se comportant, l'analogie la plus utilisée c'était un colorimètre, et à partir de cette image, comment on tombe sur quelque chose qu'on aime en fonction de contraste, en fonction de la densité, de la saturation dans les couleurs. Donc c'est principalement ça qu'on a essayé de faire sur ces images. Thank you.
l'idée de cet atelier, c'était de donner une suite. On a même parlé d'un atelier avec Alba et Isis, un atelier nomade. Pourquoi pas rêver l'année prochaine, mettre en place la mobilité du côté des trois pays. L'idéal, ça serait que deux étudiants de Lumière soient Alba, l'Isis et vice-versa, parce qu'évidemment, la synergie n'est pas la même. Et je pense déjà l'effet que ça vient des étudiants et même des continuer avec, c'est une super idée de voir des films, chacun de son côté, après pouvoir en parler ensemble, c'est déjà garder les contacts. On a fait déjà ça avec les acteurs. Hier, j'ai envoyé aux étudiants de Lumière tous les adresses, de manière qu'il y a des échanges aussi dans les autres réalisations qu'on fait à l'école. Juste à dire que j'étais ravie d'être avec vous tous pendant cette semaine et de vous avoir vu réfléchir, d'avoir écouté vos remarques tout ce temps que vous êtes ici au Liban, au Burkina. C'était extrêmement enrichissant. Je pense pouvoir parler au nom de tous les intervenants. On a tous et toutes appris à vos côtés. C'est un petit mot pour remercier les intervenants et les intervenantes qui nous ont accompagnés, remercier les étudiants au Liban et au Burkina, et aussi beaucoup remercier Josie, sans qui toute la coordination de ce super atelier n'était pas possible. Donc voilà, merci beaucoup Josie. C'est une expérience qui est concluante. Je pense que les étudiants ont pu échanger, poser des questions. Il y a eu des échanges un peu dans tous les sens. C'était vraiment très important. Peut-être d'ailleurs un souvenir qui me vient en tête quand nous, ici à Paris, on était à se poser la question du rendu des couleurs de peau. De l'autre côté du continent, on nous dit... Ça, c'est bien, mais il y a aussi l'influence avec le soleil. Donc, c'est vrai que tous ces échanges-là ont été vraiment, vraiment intéressants. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose à refaire pour pouvoir échanger le plus possible. Cet atelier, il était imaginé, organisé, conçu par l'École de Lumière. Mais c'est grâce à un partenariat avec l'École universitaire Artec. Il nous a évidemment énormément aidés, y compris du point de vue financement. Et c'est aussi intéressant parce que cet atelier est non seulement dédié, consacré aux étudiants de Lumière, mais aussi aux étudiants du Master Artec. Évidemment, l'école ISIS, elle était fondamentale, déjà parce que c'est une école avec laquelle nous travaillons régulièrement. Et donc, pour eux, c'était très, très important, mais pour nous aussi, d'avoir ces échanges, hein, des échanges qui peuvent être aussi dans les futurs, des échanges professionnels. L'école Alba au Liban, également, nous avons une convention avec cette école, qui est plutôt aussi côté réalisation, donc moins technique. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir cet échange aussi des regards, hein, avec... les regards d'une réalisatrice à réalisateur avec plutôt les métiers des directeurs de la photographie et les métiers auxquels aspirent les étudiants de Lumière. J'ai tenu à aborder la question de la filmer les couleurs de la peau, toutes ces nuances possibles, car à l'écran, dans le cinéma européen, les peaux foncées demeure minoritaire, ça c'est un fait. Et je pense aussi que c'est une question d'éducation de l'œil. Et l'éducation de l'œil commence dans une école. Donc faire interagir des étudiants de couleurs différentes sur un plateau, c'est aussi les préparer à la suite. C'est cette génération que j'espère va changer les choses. On a pris des jeunes acteurs, ils sont venus ici à l'école. Chaque jour, c'est 4 acteurs différents. Ces acteurs-là, j'espère qu'un jour, travailleront avec mes étudiants. Donc, je pense aussi que les liens professionnels s'étissent au moment de la formation. Et il était temps que sur les plateaux de Lumière, il y a des peaux asiatiques, indiennes, africaines, françaises, italiennes, etc. Donc c'est aussi une base
pour la suite. J'espère que voilà, dans leur avenir, ils prendront compte qu'il n'y a pas une seule couleur et en tout cas, il n'y en a pas que deux.